Pas encore, mais j'ai bien l'intention de le faire maintenant. Yeah, I mean, I think that's probably a standard answer for all three of us, for political and all sorts of other reasons. I think what's quite interesting from my point of view is that I tend to read books of a similar genre for perhaps other more nefarious reasons, because I always want to find out what people are writing so I can write exactly the opposite or find new ways of working with the genre. Alors, je pense qu'effectivement, c'est la réponse standard pour des raisons politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire d'autres livres dans le même genre pour savoir ce que les autres écrivent et pouvoir écrire l'inverse exact. Donc voilà, c'est par intérêt. I've read a little bit of Mr. Stroud, but not Mr. Ford, and I fully intend to. I have a friend who keeps talking about his books and has been trying to get me to read them, so I'm sure I will eventually. Oui, non, moi j'ai lu un petit peu de livres de Monsieur Straub, mais j'ai pas eu l'occasion encore de lire de livres de Jasper Ford, mais j'ai un ami qui essaie de m'attirer vers ses livres et je pense que plus tard je finirai par lire. I find actually that it's quite I find it quite hard to read fantasy fiction when I am in the middle of writing my own book, because my head is inside my own world, and at the end of the day I come out like a deep sea diver who comes up, and I need fresh air, and it's very hard to then jump into somebody else's invented world. So I have to wait till I'm between books, and then I can catch up. Dans mon cas, je trouve que c'est très difficile de lire des livres de fantasy quand je suis en train d'écrire mes propres livres et que j'ai vraiment la tête dans le guidon, et je suis vraiment dans mon monde. Vous savez, à la fin d'une journée de travail, je suis un peu comme un plongeur qui émerge de l'océan et j'ai vraiment besoin d'air frais. Donc c'est vraiment difficile après de me replonger dans le monde de quelqu'un d'autre. Et donc en fait, je ne peux lire les livres d'autres auteurs que quand je suis en train de faire une pause, quand j'ai fini un livre et avant d'en attaquer un autre. D'autres questions maintenant que mademoiselle a ouvert la voie. La question, juste au cas où, c'est savoir si les auteurs, il y a des livres qui les ont inspirés, surtout point de vue système de magie, si quelque chose les a influencés. Positivement ou négativement, d'ailleurs. I would have thought early books about magic that would have affected me, that I read when I always feel that the books that you read when you're a teenager affect you most and stay with you the longest. And for me, it would have been The Wizard of Earthsea work, and also Ursula Le Guin, and also the Narnia series, which are very much a staple of British reading of my age. So that those, to begin with, would have been the ones that sort of kicked off my interest and have stayed with me the longest. Both brilliant series, I must say. What was the first one? Wizard of Earthsea. Donc, je pense qu'on est surtout influencé par les livres qu'on a lus adolescents. C'est ceux qui nous influencent le plus et qui restent avec nous le plus longtemps. Donc, moi, je citerai notamment alors, The Wizard of Earth. Dernière de Ursula Le Guin. Voilà. Et la série des Narnia, donc des séries britanniques. C'est ce que j'ai lu quand j'étais adolescent et c'est ce qui reste avec moi depuis. I'd say I was very heavily influenced by the works of a woman named Melanie Ron, which is what I read when I was a teenager, and also the Wheel of Time by Robert Jordan was very influential on my writing and my career for various reasons. Je dirais que j'ai été très influencé par Melanie Ron, que j'ai lu quand j'étais adolescent également. Et puis, évidemment, il y a aussi La Roue du Temps, donc sur laquelle je travaille, qui m'a beaucoup influencé également. Oui,
Oui, j'ajouterais quand même, c'est vrai que Brandon Sanderson est trop modeste. J'aurais dû, tout à l'heure, lorsque je l'ai présenté, ajouter qu'il a été choisi pour finir le cycle de la roue du temps de Robert Jordan. For me, I also loved Ursula Le Guin, which has a very very morally or ethically constructed magical system. But another writer who was very influential on me when I was in my teens was a guy called Jack Vance, who is very different in the way he approaches magic. There's a very well-developed magical system in his books, the Dying Earth series and the Lioness books. But he also crucially treats it in quite a insouciant way. It's morally ambivalent. He doesn't give you all the rules. He lets you imagine how it works and how the magic has corrupted with time. And his method, I think, is absolutely fantastic. Alors moi aussi j'ai été très influencé par Terre-Mère d'Ursula Le Guin. C'est un monde dans lequel le système magique est développé selon des règles morales et éthiques très intéressantes. Un autre auteur qui m'a beaucoup influencé, c'est Jack Vance. Il a une représentation de la magie qui est totalement différente. Il a un système magique différent, mais dans ses livres, donc Dying Earth et Lioness, ce système est très bien développé, mais en même temps, il a aussi un côté un peu insouciant, et il y a une véritable ambiguïté morale dans ses livres, et en même temps, il ne nous donne pas toutes les règles non plus. Il nous laisse nous-mêmes imaginer comment fonctionnent ces mondes, et je trouve que c'est très très intéressant, c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Oui, bonjour. Ma question elle tourne aussi autour d'où vient l'inspiration des auteurs de romans fantastiques, parce qu'on a vu là depuis deux jours des gens qui puisaient tout un matériel dans leur voyage et dans leurs souvenirs de voyage, d'autres gens qui puisaient leur matériel dans des recherches historiques ou politiques, sociales, qui allaient appuyer un roman, une histoire fictive, mais sur quelque chose de réel. Et moi, j'aurais aimé savoir si vous faites un travail préalable de recherche et si vous vous appuyez parfois sur des choses de la réalité pour venir construire ces sociétés imaginaires, ces rapports entre les personnages, ces lieux géographiques, etc. It's a very important question, I think, for a writer of fantasy. You need to be grounded in reality somewhere in your book, so that the book does not just disappear into a pretty dream world where anything can happen. I get my inspiration from all those things that you've said, but for example, in Bartimaeus, it is set in London, where I lived, and it is so that the London is recognizable and it is geographically correct, and then you can have demons and imps and things running around inside, and it feels more real because it is bouncing off something that I truly know. Alors, je crois que votre question est très importante pour un écrivain de fantasy, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un élément du livre qui soit vraiment basé sur la réalité, parce que sinon le risque, c'est que votre livre devienne une espèce de monde de rêve où n'importe quoi peut arriver, et donc ça n'est plus crédible. Alors moi, j'utilise comme source d'inspiration tout ce que vous avez mentionné, mais ce qu'il y a aussi, c'est que la série de Bartimaeus se passe à Londres, et moi je vis à Londres. Donc le nombre de mes livres est un nombre qui est tout à fait reconnaissable. La géographie du nombre de mes livres correspond à la réalité, sauf que dans le nombre de mes livres, vous avez des démons, des génies qui se baladent et qui font tout un tas de choses. Mais il y a vraiment, ça sent vrai, si vous voulez, ça sent la vérité. Et je crois que c'est très important parce que ça permet de rendre tout ça crédible.